gardez vos mains ensemble, tout le monde, pour accueillir la très séduisante Martin Perizzolo. Bonsoir. Très, très heureux d'être ici. J'étais vraiment tanné d'être dans loge. Non, mais il y a un divan dans loge et aussitôt que j'étais arrivé, je me suis mis à me sentir super mal. Je l'ai vu tout de suite, le souffle m'a coupé et je cherchais pourquoi le divan me faisait sentir comme ça. Je cherchais et à un moment donné, ça me revient. À 14 ans, j'en ai fourré un pareil et... Je sais juste pas si j'étais mal parce que je venais de réaliser qu'à 14 ans, les hormones dans le tapis, il y a personne dans la maison, c'est en cuir, ça se lave. J'ai fait l'amour à un divan. Ou parce que je l'ai jamais rappelé, je sais pas. Hey Martin, c'est avec qui toute ta première relation? Ou je pense que tu la connais pas. C'est... J'ai une petite boulotte, là. Elrond, ça dit-tu quelque chose, Elrond? Ouais, non, je te l'ai pogné par le bras, je te l'ai incliné, puis Hawaii Doggy Style, là. Ouais. Trouver 25 cents? Et le show, il est 18 ans et plus, et c'est parce que c'est pas évident de parler de sexualité avec ou devant des enfants. Dernièrement, je suis allé chercher ma nièce au service de garde et je parlais avec une maman qui est enceinte et à un certain moment, je me ramasse tout seul avec sa fille. Et je sais pas trop de quoi parler avec parce que elle a 6 ans, je la connais pas, je suis timide, tu sais. Et tu vas bientôt avoir une petite sœur, hein? Et elle me répond sur un ton de truie sale. Ben oui, mes parents, ils font l'amour. Quoi? Elle est bien cute! Elle pense qu'elle va m'en apprendre sur la sexualité, là, petite tabarnak! Non, non, mais c'est juste... tes parents peuvent faire l'amour sans nécessairement que ta maman tombe enceinte, c'est tout. Voilà. J'ai de quoi je parle, je... Ben voyons, hein. Ça se peut pas. T'as jamais fait l'amour, quoi? Et là, je sais pas si c'est son arrogance ou le fait qu'elle termine toutes ses phrases par quoi, mais il y a eu un déclic dans ma tête à ce moment-là. Je l'ai regardé puis je me suis dit, mais quelle chieure d'humain ça va faire plus tard, ça? OK. Sa mère est pas là. Game on, bitch. Non, mais peut-être que ton papa, je sais pas, moi, il aime mieux l'enculer. Ta maman, quoi? Peut-être que ta maman est un peu salope, puis elle aime mieux se faire venir d'en face. Quoi? L'idée, c'était pas de la casser. C'est correct qu'elle ait du caractère, qu'elle ait confiance en elle. L'idée, c'est qu'elle garde sa confiance, mais qu'elle intègre une dose de doute, d'humilité. Elle a 6 ans, une boîte à lunch. Talk the walk. Ça m'empogne la fin de la conversation. Sa fille et moi étaient vraiment pas de bonne humeur. Elle me dit, mais de quel droit tu parles de sexualité à mon enfant? Vous êtes malade? Quoi? Je fais, ah, OK, c'est de là que ça vient. Ton truie sale. Elle me dit, vous allez me laisser faire son éducation sexuelle moi-même. De toute façon, monsieur, la sexualité, je connais ça mieux que vous. Quoi? Tu connais ça mieux que... Hein? Mais pour... OK. Son mari est pas là. Game on! Vous connaissez ça mieux que moi. OK. Juste comme ça. Avez-vous déjà léché une noune? Connaissez-vous le goût de la noune? Ce petit nectar sucré, acidulé qui vous tapisse les parois de la gorge et dénature la saveur de tout ce que vous bouffez par la suite? Avez-vous déjà léché une noune jusqu'à plus sentir vos coudes? Votre mâchoire est incapable de garder une gorgée d'eau, t'en mets partout. Je sais pas si elle bluffait, si elle voulait juste me fermer la gueule, mais elle me dit, oui, j'ai déjà léché une noune jusqu'à en saigner des genoux. Ah ouais. Là, tu vois, je te l'avais dit, ta mère, c'est une salope.
Va jouer. Il n'y a pas de masculin au mot salope. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun mot dans la langue française masculin pour salope. Il y a des publics, des fois, qui sont plus combatifs que vous et s'obstinent. Moins dociles, ils font... De quoi il dit des conneries, cette crise de cave-là? Moi, ça s'est bien passé, ouais. J'arrive dans pas trop long, là. J'ai fini, là. La plupart du temps, les gens s'écrient « Salaud! » Puis je le prends personnel, puis je fais « Ah, OK, non, c'est ça, tu voulais « Salaud! » Et... » Mais salaud, non. Salaud, ça fonctionne pas. Salaud, c'est pas le masculin de salope. Salaud a pas la connotation sexuelle que salope a. Un salaud, c'est un gars qui te coupe en char. Une salope aussi, ça peut être une fille qui te coupe en char, mais avec un pénis dans la bouche. C'est pas moi, là. C'est, tu l'entends, toi aussi, hein? C'est une salope. Elle m'a coupé. Oh, mais Chris, elle a un pénis dans la bouche. Je comprends qu'elle m'a coupé. Ça, elle voit pas. Qu'est-ce que ça fait à conduire qu'un pénis? Salopard? Non, salopard. Player? Player, non. Player, premièrement, c'est un anglicisme, puis moi, je parle de langue française. Suis, tabarnak. Gigolo? Mais gigolo? Ah non, gigolo, c'est plus comme une prostituée. Mâle, c'est ça. C'est un gigolo, c'est plus un job. Qu'un état. Tu sais, c'est plus genre de quoi, t'as tes cartes. Genre, j'ai mes cartes de gigolo. Ouais, je suis dans l'association des gigolos. Ouais, ouais, j'ai... ils me prennent des REER à tous les mois, là. Ouais. Tu sais, tu comprends? Tandis que salope, c'est comme t'as rien qui vient avec ça, t'as juste du plaisir. Alors, non. Salopard, ça peut pas être le masculin de salope. C'est français de France. Ça peut pas être le masculin d'un mot si à la base c'est moins viril. On me propose souvent vicieux, mais non, on peut pas. Vicieuse existe déjà, et j'ai des noms. En fait, le seul mot dans la langue française qui se rapproche le plus dans le, t'sais, au sens de salope, c'est, selon moi, c'est le mot gars. T'sais, c'est ça, on est gars, les gars, on est des salopes. On met notre pénis dans n'importe quoi. Ah, OK, ouais. Il va-tu sortir après? Il va sortir, c'est beau, si je rentre. Et moi, je suis vraiment une salope. Je passerais ma vie à... Moi, je passerais ma vie à me masturber, honnêtement. Si je pouvais gagner ma vie avec ça... J'irais vraiment gueuler l'orienteur dans mon école. Tu m'as pas parlé de ce job-là. C'est rendu un temps. Tu sais, il y a des fois dans l'année où il y a une journée où on se donne la go, là. Tu sais, c'est comme 5-6 fois, là. Et moi, cette journée-là, au début, j'étais mal, t'inquiète, mais là, j'ai résolu ce problème-là. Je me suis acheté un costume qui fait que. Non, mais je me masturbe. Je pourrais être payé pour faire ça. J'ai un suit. C'est un sarrau. Je me suis acheté un sarrau blanc. Comme les pharmaciens, comme les médecins, j'ai un sarrau blanc. Et parce que il y a plein d'avantages. Un des avantages, c'est que un, ça rouvre vite, facile, c'est facile d'accès. Tu peux être en train d'aller porter de la vaisselle dans la cuisine et en plein milieu du couloir, faire oh, c'est là que ça se passe. Dropper la vaisselle, puis c'est facile d'accès, c'est cool. Ça couvre les fesses, c'est long, hein? C'est plus long ici. Fait que ceux qui ont des divans en cuir, l'hiver, c'est froid. C'est magique. Mais l'avantage principal, c'est que ça doit être la cinquième fois que tu le fais dans la journée. T'as beau être dans un coin obscur, entouré de déchets, puis de détritus, puis de... Puis d'être vraiment sale, puis dégueulasse, puis puer, puis de... T'as beau être ça, le fait de porter un sarrau... Fuck, ça te donne l'impression de faire de quoi d'important. Chaque fois que je viens d'un Kleenex, j'ai l'impression de sauver une vie. Est-ce que vous avez vu le vidéo sur YouTube, le gorille avec la grenouille? C'est pas une affaire pour enfants, là. C'est vraiment pas ça. C'est un gorille qui a son gros machin de gorille, puis il a revu la grenouille qui a une hostie de grosse bouche, puis lui, il a fait 1 plus 1. Et
il joue avec, tu sais. Et quand il regarde, qui par applaudissement qui a vu sait de quoi je parle par applaudissement? Okay. Les autres, toi t'applaudis pas, tu lèves la main, tu fais comme... Je suis prêt à ce qu'on me voit, mais je veux pas qu'on m'entende que j'ai vu ça. Les autres qui ont pas applaudi, honnêtement, je sais pas ce que vous faites ici. Vous devriez être chez vous sur Google. Mais quand tu regardes le gorille, tu sais, avec la grenouille, tu sais, tu fais hey, ouais, ok, c'est deux animaux, puis il y en a un qui a l'air d'avoir plus de fun que l'autre. Mais prends la même scène, puis rajoute un sarrau au gorille, puis je te jure, ça devient legit. C'est plus un primate en train de face-fucker une grenouille, c'est une forme d'intelligence qui fait des recherches, tu sais, ça... Je suis allé à la fête d'une amie célibataire dernièrement, célibataire morbide. Parce qu'on a toute une amie comme ça, on sait pas pourquoi, mais elle arrive pas à se faire de chum. Pourtant, elle a tout ce qu'il faut, elle a tous les morceaux à bonne place, elle sent bon, super responsable, elle s'occupe très bien de ses 13 chats. Et naturellement, ses amis se sont mis ensemble pour lui acheter un vibrateur. Je sais pas si vous avez déjà assisté à ça, une fille qui déballe un vibrateur en public. Ce qui se produit, c'est que aussitôt qu'elle sort le vibrateur de la boîte, aussitôt que le vibrateur touche la lumière du jour, c'est vraiment précis comme ça. C'est qu'il se passe deux choses. La première fois, c'est que toutes les femmes dans la place, même celles qui sont dans une autre pièce, qui n'ont même pas conscience de ce qui se passe, il y a comme un cri, il y a comme une note qu'on, nous, on n'entend pas, qu'eux perçoivent. Et toutes les femmes dans la place se mettent à s'exciter, là. Ça devient là, vraiment aigu, là. Et c'est comme si elles en avaient un déjà en fonction, tout le monde. Puis là, elles font « Hey, touch ground, je sais pas, tu sais, c'est... » Et le deuxième phénomène, c'est que tous les gars, eux, deviennent hyper stoïques. Super sérieux. Inébranlables. Se concentrent sur leur conversation, le taux d'intérêt. Ouais, 5.1. Ce moment-là n'existe pas. Mais, aussitôt qu'un nobody détourne le regard, on check, tu sais. Parce que, je veux pas, les gars, ça nous intéresse. Ça nous interpelle, tu sais. Esprit de compétition, on se demande comment nous, notre gland, préfère la lumière puis twister de même. On part dans notre tête. OK, la lumière, je pense que je peux me patenter de quoi. J'ai vu un système de LED en spécial chez Canadian Tire. En plus, ça me donnerait du volume. Mais l'asti de move de malaxeur, ça, c'est une bitch, asti. Attends une minute. Quand je suis sous, appelé un peu dans le milieu, si je peux me fitter un coude là-dedans, je suis en business, moi. Non, mais c'est sûr que ça nous intéresse, les gars, parce qu'un vibrateur, c'est ce que c'est un outil. Puis nous autres, les gars, on aime ça, les outils. On en voit un, on a le goût de le pogner, d'en tester la force. C'est... Hey, Chris, combien de CC là-dessus, man? Ça grind, c'est... Quasiment brassé du béton avec ça, moi. Mais le passes-tu? Non, pas juste une petite marche à faire là-dessus pour... Non, mais c'est vrai, c'est ça que c'est un outil. On se voit tout à coup travailler dans une shop à vagin, c'ti. Bob, rappelle la cliente, ce vagin-là, il est good to go. Dit qu'elle ramène à 3000 kilos. Je sais pas ce qu'on... On va le graisser un peu. Je sais pas ce qu'on peut faire d'autre, c'ti. Honnêtement, je sais même pas ce qu'on fait ici. C'est quoi, ça, une shop de vagin, d'autre, c'ti? Le gars qui a inventé ça, il est tordu, même. Mais je l'aime. Hey, Bob! On va avoir lunch. Oh, même place que d'habitude, là. Smoke meat. Pourquoi? Non, si les vibrateurs sont des objets vendus pour les hommes, je peux vous assurer que ça serait vendu dans des petites valises en plastique. Ça viendrait avec plein de têtes, plein de douilles différentes. Une carrée, une étoile, puis l'astique tête plate avec laquelle t'es jamais capable de faire jouir personne. Esti, tout le temps en train de glisser en dehors du vagin, esti.
Pourquoi ils font pas des vagins étoiles, tabarnak? Moi, j'ai un conseil, les filles. Si jamais vous recevez un vibrateur en cadeau, allez le cacher. Okay? Vivez votre moment de gêne parce que, évidemment, tout le monde dans la pièce tout le monde s'imagine, tout le monde cherche à vous visualiser comment vous l'utilisez. Êtes-vous plus du style joystick ou reach around? Tout le monde fait « Ah non, hey, je pense que... Ah, allez, on choisit... Ah, » Et vivez ce moment-là, assumez ce moment-là, puis ensuite, allez le cacher. Et pas table de chevet caché, non, non. Holocauste en deux planchers cachés, est-ce-t-il. Laissez-le surtout pas traîner sur la table du salon, parce que n'importe qui passe à côté va le ramasser, va faire toutes sortes de niaiseries avec. C'est plus fort que l'être humain. Le pape passe à côté, même lui, il peut pas s'empêcher. Il va le ramasser, il va faire assurément baptiser du monde avec. Il nomini, il patri, cook slap, il va... Et pourquoi on fait ça? On lui achète un vibrateur parce qu'il est découragé, OK? C'était presque médical. C'est pour empêcher que le trou se referme à jamais. Puis là, en faisant toutes ces niaiseries-là avec, on est en train de supprimer tout ce qu'il y a de sexuel à l'objet. Comment voulez-vous qu'elle s'en serve après? Comment pensez-vous qu'elle peut l'insérer dans son vagin après que tu aies fait toutes ces hosties conneries-là avec? Aussitôt qu'elle va le voir, elle va penser à ta grosse face de crétin qui l'a mis d'une tranche de pain, qui faisait semblant de manger un hot dog. Miam, 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 un beau dildog! Ce vibrateur-là est mort. Et toi, elle t'invite plus à ces parties de fête. Mais c'est quand même là que tu vois que les femmes se traitent mieux entre elles que les hommes, parce que jamais tu verrais des gars qui ont une amie qui pogne pas se cotiser pour y acheter un cul en plastique. Et si ça arrivait, ça jetterait un méchant froid, tu sais. Qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc! C'est le bain câble, les gars! C'est quoi cette affaire-là, man? Fuck! Comment ça, il est déballé? Ah, OK, c'était le démon. Ah, vous avez bien fait. 30%, c'est 30%. Pogne ton bout, on va le mettre... Sti, je mets ça où, Chris? On va le mettre dans le garage, man, sti. Peux-tu considérer ça comme un outil? Peux-tu passer ça sur mes impôts? Fuck. Non, non, c'est vrai, c'est un vibrateur, t'as un tiroir, tu mets ça. Pff, cul en plastique, man. Prends un armoire qui vient avec, tu sais, ça te prend... chose qui se barre, tu sais. Y a-t-il un consensus sur l'amitié homme-femme? Ça marche-tu, l'amitié homme-femme? Ça marche pas? Non? Non, on a un nom ici. C'est la seule qui va participer à ce soir, parce que je le fais pour elle, le show, sinon. Moi, d'habitude, on a des oui, on a des non, puis on a des oui et non. Moi, je suis de la gang des non. Je crois pas à l'amitié homme-femme. Je suis ami avec des femmes, évidemment. L'affaire qui arrive, c'est que... Ben, des fois, ça arrive que j'ai envie de coucher avec. Souvent. Tu sais, pas souvent, pas tout le temps. Pas tout le temps, en fait, non. Mon amitié, c'est pas comme un espèce de piège, là, tu sais, une espèce de tactique pour les piéger avec mon pénis, mais... Il arrive et des fois, on passe du temps ensemble, puis là, de même, tu sais, on chill, deux amis, tu sais. Puis, oups, on reçoit une draft de parfum, tu sais, puis, ouh, tabarnak, elle sent bon, c'ti. Fuck, elle sent bon. OK. Ah, ma crie sera à face dedans. Ouais, concentre-toi, c'est un ami, c'est un ami, tu sais. On est là, on cuisine, prend un verre de vin, tu sais, elle se penche. Voit un bout de cleavage. Oh, tabarnak, ils sont beaux, c'est. Collé, ils ont l'air bons, c'est. Ah, qui risquera la face dedans, ça. On écoute le hockey, on écoute le hockey de même. Canadien, Lehman Boston, c'est. Ah, c'est. La forêt, c'est. Ah, tu sais, ça me fait une passe. Ah, c'est, moi, c'est de la mettre dans le net. Et je dis pas que. L'amitié entre un homme et une femme est impossible, mais c'est juste différent. J'ai des chums de gars qui ont des super cleavage et jamais j'ai envie de les fourrer. Jamais. Sauf si les Canadiens gagnent la coupe, là. Oublie ça, je le sodomise direct sur Sainte-Catherine.
Non, non, mets pas le feu à char là, on va l'utiliser maintenant. On va. Besoin d'un spot. Ouais. Non, mais tu sais, apparemment, j'ai lu ça dans une étude scientifique que l'homme aurait une pulsion sexuelle à toutes les 3 secondes, tu sais. Et c'est une étude scientifique rigoureuse, là. Ou un lien Facebook douteux, je fais plus la différence, mais. Et je sais pas si c'est vrai. Ça se peut, honnêtement, là, je me regarde aller, puis ça se peut qu'à toutes les 3 secondes, il y a comme une lumière, tu sais, qui allume, je sais pas. Et je sais pas si c'est vrai, mais admettons que oui. Admettons que oui, quand les filles vous dites, ah, non, moi, tu sais, c'est juste mes chums de gars avec qui j'écoute le hockey, je vous crois. Mais gardez en tête que eux, inconsciemment ou pas, ont eu envie de baiser, peut-être vous baiser, 400 fois. Et ça, c'est juste en première période. Ajoute l'antichambre, hein, si tu viens de. Je pense pour que l'amitié entre un homme et une femme fonctionne, ça soit sain, il faut qu'il y ait zéro tension sexuelle. Ça se peut, tu sais. Moi, je suis ami avec des femmes qui ont une orientation sexuelle différente. Je suis ami aussi avec des femmes avec qui j'ai déjà baisé. Une ex-blonde, un ex-chum, c'est parfait. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de. T'sais, tout ça, c'est fait il y a longtemps, c'est loin derrière. T'sais, elle, ça fait longtemps qu'elle est blasée de mes 2 moves. Comme ça. Ça l'impressionne plus, t'sais. Moi, je connais le sien. C'est tough, en plus, de rencontrer la bonne personne de nos jours. Même, je pense que plus ça va, moins je crois au concept de la bonne personne. Je pense que plus je vieillis, j'adore plus au concept de la moins pire personne. Il existe à quelque part dans le monde la moins pire personne pour moi. C'est rendu que je date de la même façon que je vote. Et en plus, je suis pas enclin à aborder les filles dans les bars. Je suis comme toujours en hésitation. Je suis toujours. Je pense que je suis traumatisé de m'avoir déjà fait répondre des affaires comme hey, j'ai voulu parler à un étron, je serais resté chez nous la face dans le bol. Ouch! Je pense que je suis sain en dedans. Ouch! C'est bien violent, c'est bien méchant. Moi, je suis incapable de revirer une fille, tu sais, bête de même. Je peux pas. Tu sais, je suis dans un bar, une fille vient me voir, tu sais, même si je sais tout de suite qu'elle me plaît pas, oublie ça. Une fille moche vient me voir, puis même si j'ai pas une bonne raison, comme être déjà en couple, fuck, elle a des chances. Moi, j'ai couché avec des LED par courtoisie. C'est pas un manque de confiance, c'est juste on m'a bien élevé, on fait pas aux autres ce qu'on veut pas se faire faire. Ben c'est ça. J'ai trouvé LED, l'ai fourré quand même. Après, elle se sentait belle. Tiens, une LED qui se sent belle, c'est déjà une moins LED. Ben c'est ça. Il y en a qui donne la jeunesse au soleil, qui plante des arbres. Moi, je fourre des LED, c'est comme ça. J'embellis mon monde, tu sais. Puis, j'ai pas honte. Vous pouvez me juger, je m'en fous. Je m'en fous de votre jugement. Juste vos rires. J'ai déjà fréquenté une danseuse. Pas des grands ballets, une danseuse nue. Sinon, je mettrais ça dans une autre chose, bit-là, si ça parlait d'une danseuse des grands ballets. C'est une danseuse nue et je ne l'ai pas rencontrée son lieu de travail. Je vais pas souvent aux danseuses. J'ai été élevée par une mère féministe, un peu frustrée, mais quand même féministe. Et elle m'a transmis ses valeurs et je suis très content de ça. C'est juste que ça fait qu'aujourd'hui, ben, c'est ça, aller aux danseuses, je sais pas, je trouve ça cher pour regarder une fille dans les yeux. Non, je l'ai rencontré comme ça. On habitait pas loin l'un de l'autre. Et puis, c'est ça. Et je savais pas qu'elle était danseuse au début. Elle avait pas les clichés. Elle avait pas l'air d'une danseuse. Elle avait pas comme, tu sais, les ongles bien faits, le teint un peu basané, tu sais, les bijoux fluo. Elle toussait pas de condom. C'était pas facile à. Et j'admets qu'au début, tu sais, je prenais pas ça au sérieux. C'était vraiment juste, hey, tu sais, je vais avoir du fun, ça va être cool. Mais on est réellement tombés en amour. On était 2 ans ensemble et ça a été une relation super importante pour moi.
Et je sais pas s'il y a des gars ici qui se disent ouais, ça doit pas être, ça doit être cool de sortir avec une danseuse, ça va être le fun. C'est pas facile ni pour soi ni pour elle. Moi, je me souviens qu'elle trouvait ça extrêmement difficile faire ce métier-là vers la fin. Et vous allez dire, Martin, c'est normal, elle avait plus 16 ans. Et ce gag-là fait un froid tous les soirs. Il y a hors de question que je l'enlève. Vous croyez quoi? Que les filles qui dansent, c'est un choix délibéré, qu'elles se voient quand elles sont jeunes. Ah, plus tard, je vais être une danseuse. Non. Les filles qui sont recrutées pour danser ont souvent 16 ans, 15 ans, parfois même 14 ans. T'sais. C'est ça, la réalité. Ce qui fait que c'est extrêmement dur de sortir une fille de ce milieu-là. Moi, j'ai essayé. Pendant les 2 années que j'étais avec, j'ai essayé. Puis à un certain point, la seule chose que je pouvais faire, la seule chose sur laquelle j'avais du pouvoir, c'est juste l'aimer. C'est juste ça que je pouvais faire. Juste l'aimer du plus fort que j'étais capable. Juste essayer de rebâtir son estime d'elle. Juste fuck, l'envelopper d'amour, tu sais. Et un soir, on était assis sur mon divan, puis il fallait qu'elle aille travailler, puis ça y tentait pas. Tu sais, puis j'essayais... Qu'est-ce que tu fais, man? Tu sais, j'essayais de l'encourager, tu sais. J'essayais, tu sais, j'ai dit des affaires, tu sais, comme, tu sais, prendre de la drogue, tu sais, juste... C'est drôle parce que depuis que je fais ce show-là, les commentaires que j'ai après le show... Les gens viennent pas me parler de ce que je dis dans le show, ils viennent me parler de ce que je dis pas dans le show. Le commentaire qui revient le plus souvent, croyez-le ou non, c'est « Hey man, comment ça tu parles pas du doigt dans le cul? » Ouais, je sais pas si je... Qu'est-ce que tu voudrais que je dise au juste? Ça à quoi ils répondent la plupart du temps? Je sais pas. Tu vas dans le cul, là. Mais dans quelle perspective tu veux que je te parle du doigt dans le cul? Tu veux que quoi, je te fasse quoi, la grande épopée du doigt dans le cul? Tu veux te partir à Grèce antique, je finisse ça à Renaissance? Quoi, tu veux te savoir la part quotidienne recommandée? Tu veux... des conseils sécurité, tu veux peut-être quoi, je te sorte des stats, des graphiques, vu qu'on démêle les mythes, peut-être, c'est ça, tu veux savoir si on le fait dans la piscine, est-ce que ton doigt va rester pris dans autrui, c'est ça? Parce que je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le doigt dans le cul, pour moi, ça se dit pas, ça se vit, c'est tout. Moi, quand je fais l'amour, ma main, c'est comme un couteau suisse, tu sais, puis écoute, chaque doigt... peut être interpellé dans une activité quelconque, là. Tu veux savoir lequel j'utilise? Je peux pas répondre à ça. Non, c'est pas que c'est personnel, c'est juste... Je l'ai pas, la réponse. La réponse, c'est pas moi qui la détient. La réponse est enfouie au creux de l'autre. C'est une question de sphincter, man. Tu veux savoir si moi, quand je suis à l'autre bout du fil, si moi, j'aime ça? Ah, comment dire? Événementiel. Saisonnier, comme Noël, tu sais. Des fois, ouais, ouais, c'est le fun d'avoir de la visite, mais c'est pas long que t'as hâte qu'elle parte, tu sais. C'est pas quoi dire. En fait, je pense que si j'avais à m'asseoir devant mon ordinateur pour écrire un numéro sur le doigt dans le cul, je pense que j'aborderais ce numéro-là de la même façon que j'aborde le doigt dans le cul dans ma sexualité. Au début de mon numéro, je vous parlerai pas de doigt dans le cul. T'sais, je vous parlerai de plein d'autres choses connexes. T'sais, je vous parlerai de... Puis à un moment donné, whoop, là, j'amènerai le sujet du doigt dans le cul. Demain, un peu en surprise, t'sais, mais ça serait un peu maladroit. Ça serait un peu pas assumé. Surtout, ça serait pas amené de façon assumée. Ça serait très hypocrite. Je ferais semblant que quelqu'un est venu m'en parler après les shows. C'est un sujet délicat. Qui demande du doigté. C'est pas la grosseur. C'est ce que tu fais avec qui compte.
Ouais, maison. Maison. Toi et moi, on est dans le même team, man. C'est pas la grosseur, ce que tu fais avec quiconque. OK. Je veux bien. Peu importe la grosseur de mon pénis, si je concentre mes coups de bassin dans la région de son entrejambe, ouais, j'ai une longueur d'avance sur celui qui sort de sa grosse maillotche pour lui donner des petits coups secs derrière la tête. Mais à scolarité égale, il reste que les deux, on travaille avec les mêmes outils, une prise mâle de forme cylindrique et une prise femelle de forme cylindrique. C'est de la géométrie, on s'en sort pas. T'as beau y aller doucement, vite, juste le bout, l'enfoncer en prenant la voix de Barry White. Y aller juste le bout, 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 puis tout donner une shot! Il reste que si t'avais eu un peu plus de diamètre, un demi-pouce de plus, t'aurais pas eu à te poser toutes ces questions-là. T'aurais pas eu à comploter, esti. Tu serais juste rentré comme ça vient. Tu serais sorti sans faire ton angle mort. Et les filles s'obstinent à dire, c'est pas la grosseur, c'est ce que tu fais avec qui compte. Bullshit. Si une fille te dit ça, ce que ça veut dire, c'est je t'aime. Je t'aime, man. Tout va bien. Tout va bien. T'es correct. Tout est super. Tout est super. Je te ressens tellement dans mon cœur. Je suis pas obligé de te ressentir autant dans mon vagin. Tout va bien. Continue de sortir les poubelles, déblayer mon char l'hiver. Pis... toi pis moi, c'est pour la vie, tu sais. Parce que la vérité, c'est que si t'as un petit pénis, je suis désolé. Il n'y a rien que tu peux faire avec ton petit pénis qui va changer quoi que ce soit. Rien. Tu peux compenser avec tes doigts, ta bouche, ta langue, tes paroles, ton attitude même. Mais avec ton petit pénis en tant que tel, il n'y a rien que tu peux faire. Peut-être juste pas le mettre dans un trop gros vagin. Peut-être, je sais pas. Ça existe-tu? Non, mais je sais pas. On parle de petits, de gros pénis. Y a-tu des petits, des gros vagins? Je sais pas. Je lis pas Châtelaine. Je sais pas. Quoi, la moyenne d'un pénis, c'est 6 pouces. Un vagin, c'est quoi? Ça se mesure comme en gallon, peut-être? On pourrait se faire une charte, genre 5 pouces, 3 gallons, puis on fait une application avec ça. Je sais pas. À 24 ans, au sommet de ma forme, pleine forme, j'ai eu des troubles d'érection, esti, à 24 ans, plus rien, il se passait fuck all, il y avait plus de courant, c'était comme pendant 3 semaines, pas genre une fois, esti, je pense que je l'ai cogné à Marshmall, juste... 3 semaines complètes, plus capable de bander, fuck all. Et 3 semaines, c'est long. 3 semaines en année de pénis, c'est une décennie pour un être humain, OK? C'est comme si mon pénis avait manqué les années 80 au complet. Il est tombé dans le coma. Puis quand il s'est réveillé, tout le monde avait changé de coupe de cheveux. Oh, c'est cool maintenant, OK. Et je parle pas que quand t'es sous un peu, puis comme je disais tantôt, appli un peu dans le milieu, ou... Non, je parle, là... Parce que ça, c'est correct, tu sais, ça, tu peux t'arranger quand ça arrive, là, tu sais, appli un peu dans le milieu. Ou l'étape d'après, tu sais, quand il y a juste le gland qui bande, le reste de ton corps, lui, il bande pas, il y a comme... ton pénis a l'air d'un bas rempli de change, puis comme... Dans ce temps-là, les gars, on s'essaye quand même, hein, on se patente de quoi, bouge pas... Bouge pas, chérie, j'ai vu une tie wrap qui traînait. Ça va piquer un peu, mais ça va marcher, tu sais. Évidemment, tu sais, quand ça t'arrive, tu sais, on peut pallier avec nos mains. On peut y faire la passe du bass player, tu sais. On peut y faire la passe du gun à clou, tu sais. On peut faire la passe du bowling. On peut le bass player qui joue au bowling avec un gun à clou, on peut.
tu vas la faire jouer, tu vas peut-être même faire ta réserve, mais tu te sens pas comme un homme, tu sais. Tu te sens plus comme... comme un technicien, tu sais. Technicien en vagin et loisirs. Après la deuxième, troisième fois de suite que ça m'est arrivé avec ma blonde, que j'étais plus capable de bander, je me suis mis à capoter, je me suis mis à éviter d'avoir des relations sexuelles, tu sais, parce que j'avais peur que ça se reproduise, j'avais peur de perdre la face, d'avoir honte encore. Mais, et je sais pas si vous êtes conscient, mais pour un gars, éviter d'avoir des relations sexuelles, c'est contre nature, là. Tout ce qu'on fait dans la vie, les gars, c'est dans le but d'avoir des relations sexuelles. Tout. Tu ouvres la porte à une fille. Oh, c'est pour fourrer. Oh oui. Même si tu la trouves pas de ton goût, la fille à qui tu tiens la porte, tu sais qu'il y en a d'autres belles qui te regardent, tu sais. Tu as le choix entre un escalier normal, un escalier roulant. Tu choisis l'escalier normal que tu grimpes deux marches à la fois. Puis si tu arrives en haut et tu n'es pas trop essoufflé, hey man, tu es content. Man, tu es en forme pour fourrer, man. Est-ce que je vais fourrer? T'achètes des REER, un char sport, une grosse cabane. Tout ça, c'est dans le but de fourrer. Je sais, il y en a qui vont dire, ben non, Martin, tu fais ça aussi pour être aimé. Non. Les gars, on fait ça pour fourrer. Évidemment qu'il y a des choses qu'on fait pour se sentir aimé, pour avoir de l'affection. Ben oui. Comme fourrer. J'ai fait ce que n'importe quel gars qui a moindrement d'ego aurait fait, et moindrement curieux. Je me suis enfermé chez nous pour investiguer le problème à fond, tu sais. Je me suis tapé un méga masturboton et j'ai appelé mon service Internet pour les aviser que là, je veux du gigaoctet, man. Je m'en fous les autres fois. Libère les lignes pour aujourd'hui. Ça va chauffer. J'ai navigué sur tous les sites de pornographie qui existent. Anal, Oral, Hardcore, Group Sex, Shemale, Uniform, MILF. J'ai fait toutes les combinaisons. Black with White, Black with Asian, Indian plus Black plus White, Double Black plus Awesome Slot, Cum Shot, Machine, Fetish. J'ai fait des pieds et des mains devant mon ordi en regardant les gens faire avec les pieds ce qu'on fait avec les mains d'habitude. J'ai fait tous les sites de pornographie qui existent, sauf peut-être horsesandhors.com. Ou la version française, salopegalope.fr. Tu sais qu'avant de te masturber, tu déplaces des meubles dans la maison? C'est parce que t'es sérieux, là. Mais te masturber quand t'es mou, c'est un peu comme si elle ramène une personne âgée pendant une heure. T'as beau être enchanté, à un moment donné, il y a un malaise qui s'installe. Fait que je décide d'aller chercher de l'aide, voir un médecin, trouve un spécialiste, un urologue, le gars, un doctorat en pénis. J'arrive là et je dois admettre que quand j'ai vu tous les diplômes sur son mur, j'avais des attentes, t'sais. J'avais des attentes. Moi, j'ai déjà mis mon pénis entre les mains de filles qui avaient lâché l'école en secondaire 3 et elles ont fait un travail remarquable. Il me fait une batterie de tests, prise de sang, scan, radiographie. Une semaine plus tard, je suis dans son bureau encore et il me donne les résultats. Il me dit, monsieur, tout va bien avec vous. Votre problème est psychologique, c'est dans votre tête. Je sors de là encore plus mêlé qu'en rentrant. Attends une minute. Es-tu en train de me dire que mon cerveau contrôle mon pénis? Mais quelle cave! Tout le monde sait que le pénis y est plus fort que le cerveau. Arroche pénis cerveau. Le pénis, il bat le cerveau. Il faut le cerveau. Il faut la roche. Il faut le papier. C'est un pénis. Il y a juste les ciseaux qui peuvent l'arrêter. Mais il avait raison. En sortant de là, je sentais dans mon corps que mon problème était réglé. Je vois une super belle fille qui a des seins magnifiques. Ils sont tellement beaux. C'est comme des sculptures de bonheur.
entre ces deux seins, il y avait un endroit précis où n'existait plus la guerre, la famine, les comptes de taxes scolaires. J'étais debout sur le trottoir, tu sais, bandé. Puis je pensais aux 3 semaines que je venais de vivre, 3 semaines d'enfer. Puis c'est comme la leçon que je tire de tout ça, c'est qu'il faut jamais abandonner. Il faut jamais s'avouer vaincu. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est sors jamais de chez vous en pantalon de jogging. Parce qu'à roche, pénis, coton ouaté, pénis, bas, coton ouaté. Mais toute cette aventure-là m'a fait prendre conscience de... C'est fou comment il y a des sexualités surprenantes. Coulrophile. Ça vous dit quoi, coulrophile? Ça, c'est quand tu vois un clown, puis ça t'allume. Tu vois un clown, puis t'as goût de baiser. Si ça... Et ça existe, là. Ils n'ont pas trouvé un nom pour 2 personnes. Ils sont... Il y a plusieurs personnes qui ont cette déviance-là. Quoi d'autre? Nécrodendrophile. Non? Personne? En même temps, je trouve ça rassurant. Et nécrodendrophile, c'est quand... tu tripes sur les arbres morts. Les arbres morts. C'est précis comme ça, tu sais. Et c'est fucked up. Je me demande si les nécrodendrophiles, quand ils se promènent dehors à l'automne, tu sais, s'ils font comme... Tu maudis ta gueule, je le sais que t'es pas vraiment mort. Tu sais, ils ont-tu comme... Espèce de drôle de relation, là, à l'automne. Alectotophile. Alectotophile, tu tripes sexuellement sur les dindes. Et t'es souvent seul à Noël. Moi, j'ai déjà été avec une fille qui tripait à se faire manger les pieds. Elle aimait ça, se faire manger les pieds. Moi, j'aimais pas ça, mais j'aimais la fille, tu sais. Fait que je me fermais la gueule. Ou j'ouvrais grand, c'est selon d'où on se place. Et il y a quelque chose de super épeurant à quelqu'un qui a un fétiche ou une déviance quelconque. Au début, c'était épeurant, mais je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de vraiment formidable là-dedans. C'est que tu peux faire jouir ton chum ou ta blonde vraiment fort de même. C'est aussi précis que de peser sur le piton d'une manette qui a des batteries neuves. C'est... Moi, tu sais, peu importe où on t'est rendu dans nos ébats, j'avais juste à me mettre son pied dans la bouche. Puis jouissais, je vomissais, puis on était en business. Comment je me suis rendu compte que le sexe oral, pour moi, c'est pas négociable. Moi, je le veux dans mon forfait. Je suis prêt à vivre avec une fille passive-agressive, une fille qui martèle de questions le matin avant le premier café. Si je prends, s'il y a du sexe oral, je vais faire le compromis. Tu sais. Mais même, je pense que chaque être humain devrait avoir dans sa routine quotidienne d'avoir à donner et recevoir du sexe oral. Café, croissant, cuni, banane, blowjob. Ouais. Parce que recevoir du sexe oral, c'est une dose d'estime de soi. Il y a quelque chose de très dominant là-dedans. T'es soit debout ou couché pendant que l'autre te donne du plaisir. Donner du sexe oral, c'est un acte de générosité. C'est une fucking prière, man. T'es à genoux, assis, t'sais. Tu sais, puis une journée où t'as fait les deux, tu te feras pas chier cette journée-là, là. Hey, c'était eu un fucking blowjob. See, no one's gonna step on your toe, man. Hey! Puis tu feras pas chier personne non plus. Parce que tu sais c'est quoi se mettre à genoux, est-ce, la face dedans, puis ah ouais, tu sais. Tu vas être équilibré. C'est l'équilibre parfait pour un être humain, tu sais. Faire les deux dans la même journée.
Moi, appelez-moi utopiste, mais moi, je pense même que si on veut que l'humanité passe à la prochaine étape d'évolution, il faut que tout le monde, sa planète, en même temps, on se link dans une grande chaîne mondiale de sexe oral, OK? Tout le monde, en même temps, on se cunilingue, on s'entre-suce. Et je ne sais pas ce qui va arriver, mais il va se passer de quoi, man? Il va se passer de quoi? Si des extraterrestres existent, je vous jure que c'est là qu'ils sortent de leur cachette, man. C'est bon, on existe, on vous explique les pyramides tantôt. Gars, là, moi, je vais juste me mettre entre ces deux-là. Toi, va là. Par applaudissement, qui s'est déjà fait tromper ici, par applaudissement? Ceux qui n'ont pas applaudi, c'est ceux qui ne savent pas, c'est ça? Moi, la plupart du temps, les gens ne me croient pas, mais j'ai jamais trompé. Aucune de mes blondes, jamais. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. I'm that guy. Jamais trompé. J'ai été infidèle. C'est pas pareil. Il y a une différence. Tromper, c'est mentir, venir en bateau, faire croire. C'est ça que c'est tromper, tu sais. Moi, j'ai juste été infidèle parce que j'y ai dit, asti. Fait que c'est plus tromper. C'est juste de l'infidélité. Et c'est ça. La nuance vous paraît stupide, je sais, mais moi, à l'époque, je pensais que c'était plus noble de le dire, tu sais. Et finalement, en fourrer un autre puis lui dire, Chris, non, il n'y a rien de noble là-dedans. Tu te transformes pas en prince, là. Tu deviens plus comme une marde, là, tu sais. Est-ce que c'est tough, hein, blesser les gens qu'on aime? Quand j'ai mesuré toute la peine que j'y faisais, juste pour un peu de peau, est-ce? Non, si c'était à refaire, je l'aurais trompé à place. Non, mais le challenge dans un couple, c'est quoi? Pourquoi on trompe? Le challenge dans un couple, c'est préserver le désir. C'est ça que c'est, hein? C'est ça le challenge. Il faut préserver le désir tout le temps. Et c'est fragile, le désir. Ça s'échappe, ça se brise. Faut pas niaiser avec ça. Et c'est pour ça que je comprends pas les couples qui vont à la salle de bain un devant l'autre. Moi, si j'ai un tabou, c'est celui-là. Moi, je comprends pas. Je me figure pas, je pense pas que je peux continuer d'exciter ma blonde si jamais elle me voit assis, la face crispée, en train de forcer dans un fioul qui sent comme si la mort me sortait par le cul. Un orage de bruit humide, saccadé de poche d'air. Je sais pas pour toi, mais moi, j'entends pas du Marvin Gaye, c'est là. Puis, je pensais le contraire. Selon moi, c'est pas de la confiance que t'as. C'est de l'arrogance, OK? T'es juste arrogant. Mais il est hors de question que je laisse rentrer ma blonde dans la salle de bain pendant que je suis assis sur la toilette. Des plans pour qu'elle se rende compte que je force avec la même face que je jouis. Apparemment que parler d'argent ou d'avoir des enfants sont des sujets très délicats pour un couple. Ça peut même mener jusqu'à la rupture si on ne fait pas attention. Je pense que les sujets encore plus délicats dans un couple, c'est les non-sujets. C'est ce dont on ne parle pas. C'est comme quand ton chum n'est plus du bat. Quand ta blonde a un arrière-goût de bat. Les filles, vous êtes chanceuses parce que géographiquement, quand on a la face dedans, vous êtes incapable de voir si on fait une grimace. On devient comme des ninjas. Mais c'est ça qu'on fait, en fait. C'est des grimaces. C'est ça qu'on fait. Un cunnilingus, c'est une espèce de longue grimace un peu chaotique. Tous les gars ici, on a tous des similitudes techniques dans notre poche, mais en gros, on y va à l'oreille. On improvise avec le stock qu'on trouve en bas, tu sais. La chance que vous avez, la chance que nous, on a, les gars, c'est que la plupart du temps, on s'en rend compte quand on peut du battre.
quand on écoute la télé habillée en mou, notre main fait un voyage non-stop entre notre nez et notre entrejambe. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. On devient comme des géologues qui mesurent une zone potentiellement volcanique. Bon, c'est beau. Je sais pas. J'ai jamais appris à gauger à l'odeur. Pourtant, là, ma vie en dépend aussi. C'est beau. C'est ça. On peut continuer son affaire. C'est... Ça sent le renfermé. C'est correct. Il y a quelqu'un dans la pièce? S'en fout, man. On a vu des James Bond. On sait comment se faufiler, là. Pixit. Pic-là. OK. Oui, là. Moi, je l'ai fait à la banque en faisant des placements. Ça a l'air bon. Oh, ouais, épargne à temps. Oh, ouais, c'est bon. Je vois aucun lien. C'est... Ce qui fait que c'est souvent nous, les gars, qui devons annoncer à la fille qui a de la mortalité dans son vagin. Et... Non, parce que c'est quasiment aussi bien que de lui annoncer qu'il y a de la mortalité dans sa famille. Je pense que j'aimerais mieux dire à ma blonde que sa tante est décédée plutôt que de lui dire que son pH un peu tourné au vinaigre. C'est tellement pas facile. Puis tu sais, oui, les gars, c'est pas facile, évidemment, mais c'est pas facile à dire, mais je pense que ça mérite qu'on se force, tu sais. C'est, on parle de son temple dans lequel elle te laisse rentrer en regardant tes souliers des fois. Fait que force-toi, tu sais. Si t'as ça à communiquer à ton amour, force-toi. Je pense que même si t'es pas un auteur, t'as du papier puis des crayons, assis-toi, fais un premier jet par écrit avant. Mets plein d'amour, mets plein... tu sais, puis très important, t'apprends ton texte par cœur et tu brûles le papier après. Faut que personne trouve ça. Sinon, c'est pas juste la fin de ton couple, c'est la fin de ta vie. Et parce qu'il y a personne, sur la planète qui aime se faire dire « Oh, tu pues de la plotte! » Il y a personne. Mais personne, je veux dire, tu dis ça à un gars, puis même lui, il va le prendre personnel. Là. Tu vois, non, c'est bien correct, ma plotte, il va t'obstiner 5 minutes avant de réaliser qu'il n'y en a pas de vagin, tu sais. Je pense que je suis devenu clitoridien. Ouais. Vous, les filles, vous naissez soit vaginale ou clitoridienne, ou les deux, ce que nous, les gars, on appelle « Yeah! » Mais nous, les gars, on vient au monde vaginal, on veut juste rentrer notre pénis dans quelque chose. Peu importe quoi, un divan, n'importe quoi. C'est serré, on s'en vient, tu sais. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que, en vieillissant, je suis devenu clitoridien. Ben, c'est ça. J'ai plus la force, j'ai plus le cardio pour faire jouir une fille vaginale. Si je m'essouffle way avant. Il y a une époque où j'ai été ambivulve. J'avais et du cardio et de la dextérité, mais là, c'est fini. C'est fini. Il y a une étude qui dit que les éjaculateurs précoces serait moins violent envers les femmes. C'est tout un dilemme, ça, pour les filles. Soit t'es bien baisé, mais il y a un risque. Si la lasagne en manque de sel, tu vas peut-être finir au chaînon. Ou sinon, ben, t'es pas satisfaite sexuellement, mais c'est cool parce que ton partenaire est réceptif. Tu peux y en parler, il va t'écouter, te comprendre. Il va te masser les pieds pendant que tu te finis à mitaine. Mais moi, quand j'ai lu cette étude scientifique-là, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que peut-être qu'on devrait arrêter de faire des études sur les gars qui viennent vite, puis on devrait faire des études sur les gars violents. Tabarnak, c'est ça le vrai problème, esti? Pas besoin de tes maths 536, là. Comme le prorata, il est facile à voir. Là, il passe 10 secondes éjaculer, une demi-heure à te traîner dans les marches. OK. Focus à la bonne affaire, tu sais.
Les gars, c'est pas une bonne idée de penser à quelque chose de pas bandant comme ta grand-mère quand tu veux retarder ton éjaculation. Le cerveau, c'est drôlement fait. Je suis certain qu'à force de faire ça, à un moment donné, tu vas trouver ta grand-mère bandante. Tu vas arriver à Noël, elle va te pincer une joue, tu vas avoir du liquide pré-éjaculatoire au bout du pénis. C'est weird. Moi, faut tellement pas que je rencontre Edgar Fruitier, là. Un barrage qui fend. Je blesse des gens. Ces petits sourcils, là, un peu... C'est de valeur, les gens qui jouent en silence, hein. Tu sais, là... OK, garde, parce que je peux pas et chercher ton point G et chercher ton pouls en même temps. C'est de valeur, je trouve, parce que il me semble que ça fait partie du plaisir d'entendre l'autre personne jouer. C'est le fun. Moi, j'ai baisé avec des femmes parce que, oui, elles m'attiraient, mais aussi, j'étais curieux de savoir le son qu'elles faisaient. De qu'elles prennent, que elle devient vraiment belle quand elle fait, tu sais. J'entends ces sons. Appelez-moi le musicien, si vous voulez. Non, mais si t'entends pas l'autre personne jouer, comment tu fais pour savoir si elle aime ça ou il aime ça? Comment tu fais pour savoir? T'es pas toujours dans une position où tu peux voir son visage. Puis même si tu le vois, son visage, au début, tu sais pas. C'est quoi cette face-là? Je sais pas. C'est-tu sa face de « elle aime ça? » Peut-être, je sais pas. Peut-être c'est sa face de « elle a mal? » Je sais pas. Non, parce que les femmes, vous êtes tous uniques. Chacune d'entre vous. Puis, les sons que vous faites, pour nous, les gars, c'est comme notre GPS, tu sais. C'est ça qui nous permet de trouver notre chemin, de naviguer à travers chacune de vos particularités, tu sais. Je pense que quand tu baises avec quelqu'un, surtout au début, tu as trois choix. Soit tu fais des sons. Ah! Oh, fuck! Ah! 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 Fuck! Ah! Ouh! Tu utilises des mots. Ouais, ça c'est bon. Ouais, juste un peu plus haut. Ouais, ça c'est cool. Attention, je suis sensible de là. Ce que tu fais avec ta langue, continue. Non, tu rentres pas là. Tu guides, tu sais. Ou... troisième option, fais avec ce que je te donne, puis chiale pas. Je travaille dans le noir, moi, là. Tu sais, tu peux pas reprocher à un aveugle de sparker un peu dans la piscine, si je... Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il y a des filles qui pleurent après l'orgasme? Les filles, faites pas ce face-là. OK, si ça vous arrive pas à vous, vous avez une amie à qui ça arrive. Elle sait pas pourquoi. Est-ce que parce que les filles, quand on vient de faire l'amour, puis vous vous mettez à pleurer, évidemment, on vous dit que c'est correct et ben on vous ment. On est vraiment pas cool avec ça. La boîte de Kleenex à côté de notre lit, pas là pour essuyer des larmes. Évidemment, on essaie de vous consoler, de vous rassurer, mais dans un moment comme ça, je vais vous le dire, là, nous aussi, les gars, on a besoin d'être rassurés parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. On capote. Tabarnak, je ne suis pas parti d'ici. Si vous vous mettez à pleurer parce que ça vous arrive pas souvent d'atteindre l'orgasme, dites-vous que vous êtes peut-être pas en train d'aider votre cause. Ça se peut que la fois d'après, on ait peur de vous faire jouir. Aussitôt qu'on va voir vos lèvres commencer à shaker, on va... tabarouette, coller dans le chivenu. Tabarouette, tu sais, tu plates ça. Mou, t'as dit. Colin Jason. En tout cas, vaut mieux en rire.
Hey, je vous remercie beaucoup de vous être déplacé ce soir. Merci beaucoup. Hey, joli spectacle, c'était la séduisante Martin Périzzolo. Hey, maintenant, laissez-vous ensorceler par la magnifique Barbara Power. Combien? 5,25. Combien? 60. Fuck. J'ai fait 55. Okay. Tabarnak! 5,25. Ma fille en avant, en gauche. Ouais. Elle rit comme un hippopotame. Ouais. Ouais. Elle riait pas à couiner. Ouais. À couiner. Arrête de couiner. Nous, on répète notre affaire, on travaille notre bout de show. Eux, ils ont pas grand chose à faire, ils ont juste à s'asseoir, enjoy, rire. On pourrait travailler un peu, tu sais. Leur couinage. Ouais, ouais. Il me semble que tu te présentes avec un bon rire. Je vais l'utiliser, ça. Je vais le dire. Sur scène? Je vais le dire. Hein? Je vais dire, arrête de queener. Tu queens. Quelle heure ton prochain set? 10h. Tu bailes. Tu bailes. Tu bailes. Tu peux-tu arrêter de bailer? Je sais même pas c'est quel animal. Bailer, c'est un mouton? Ça se peut. Quelque chose qui a de la laine, en tout cas. Qu'est-ce qui queen? C'est quoi l'animal qui queen? Comment ça s'écrit? Queen. Q-U? Queen. C-O? Pousser des petits cris. Les chiots ont queené toute la nuit. Ah, c'est les chiots qui queinent. On part. Hey! Have fun.